Salut à toi. Comme toutes les semaines, on va s'atteler au défi chaque daddy hebdomadaire. Alors, comme d'habitude, on va faire la revue des défis. Donc le défi principal, terminer 5 défis parmi la liste, cumuler 500 000 points en wingsuit en exploration libre, cumuler 500 000 points en vélo ou ski ou snowboard en exploration libre aussi. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut faire 1 million entre la wingsuit et puis ou vélo, ski ou snowboard. Atteindre le niveau hebdomadaire 4 dans la compétition multijoueur en participant à Tricks Battle ou des sessions free for all, donc assez simple. Donc là, il va falloir farmer un petit peu parce que le niveau 4, c'est quand même pas si évident. Ensuite, terminer 30 events 30 events multijoueurs, enfin, ou event solo. La dernière fois, c'est le truc qui était buggé et personne n'avait pu décrocher le vélo en mousse. Moi, je l'avais déjà eu dans un défi chaque daddy précédent. Ensuite, terminer 3 créations uniques, donc c'est les créations utilisateurs. On ira voir tout de suite après ce que c'est. Et terminer 3 mass races, donc là une semaine pour faire 3 mass races, ça va, c'est réseau. Donc rien de bien compliqué, pas beaucoup de récompenses à part le vélo en mousse et des étoiles. On commence à être habitué à un truc un peu pauvre. En termes d'affiches, là on a Back to the Great Outdoors, donc là ça nous encourage à faire de l'exploration libre, hein, comme le spécifient les défis. Et on va voir les free for all, la playlist, ce que ça donne. Playlist en limité, ok. On le lancera tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Là, tout de suite, j'ai envie de m'atteler aux créations. Donc, c'est ici. Moi, j'en ai mis quelques-unes en favoris qui sont vraiment ultra bidons. Si tu veux les rodaves pour les rajouter aussi. Alors, attends, je dis ça, puis je les retrouve pas. Ouais, je crois qu'il y a celle-là. On va voir si déjà ça nous les compte. Ouais, bon, c'est pas la plus rapide, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, le truc, ça prend 2 secondes. C'est con parce que j'en avais enregistré des encore plus courtes que ça qui font vraiment 10 secondes, quoi. Celle-ci, du coup, elle est plus autour des 30 secondes. Mais bon, on voit vraiment qu'il n'y a aucune difficulté, c'est tout droit, hein. Voilà, et de une, on continue dans les favoris, laquelle j'ai, ça je crois. Voilà, celle-ci par exemple est complètement bidon, c'est juste une ligne droite. Hein. Voilà, j'espère que ça les compte, hein. Je suis pas allée vérifier à chaque fois. Et la dernière. Ah merde, c'est carrément en wingsuit. D'accord. Ah, je m'attendais pas à ça, je croyais que c'était du Rocket Wing. Ouais, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, c'est fait. Bon, j'en ai rien à faire du score, hein. J'ai vraiment pas fait attention à ça. Essentiel, c'est de passer le truc le plus vite possible. J'ai pas envie de m'attarder sur ces trucs-là à la con. Donc, voilà, bah c'est bon, ça a validé le défi. Une bonne chose de faite déjà. Merde, c'est pas là. Voilà, Walking Holiday, terminé 3 créations uniques, tu vois, ça m'a pris quoi, même pas 5 minutes, donc c'est nickel. On peut déjà aller voir, c'est justement voir si le free for all ça compte dans les défis. On va en lancer une. Pendant ce temps, bah, rien que le fait de faire des figures là au bol, ça compte dans l'exploration libre. Donc normalement, c'est bon aussi. En même temps, je suis pas au meilleur endroit pour faire des sauts ici. On va plutôt aller en haut d'une montagne et puis on va descendre en snow. Tour de passe-passe. Hop, on poursuit en roquette.
En wingsuit, pardon. Je vais essayer de pas me vautrer. Oh non, mais putain, quelle mongolienne. Bon, bah heureusement que la playlist ne se lance pas, parce que bon... On risquerait de se faire chier, hein. Voilà, je viens de voir que j'ai débloqué un des trucs. Ça doit être le truc ski snow, je présume. ATV, ouais, voilà. Cumuler 500 000 points en vélo, c'est bon. Et donc, on a dépassé la moitié au niveau de la wingsuit, donc on va poursuivre ça. Ah, il y a une mass race. Ce serait aussi intéressant d'aller faire la mass race pour être débarrassé. Voilà. Ça, c'est bon. Une petite samba. Voilà, explosif libre, c'est bon. On va aller se faire cette petite mass race vite fait, bien fait. Voilà, on est parti. Je pense pas que j'ai diffusé toute la mass race. En plus, il n'y a même pas besoin de la gagner, il y a juste besoin de la finir. Merde, je fais des conneries en plus. On est 11 dans la mass race, quoi. C'est quoi cette mass race? Cette mass race de dingue. C'est un free-for-all, en fait, quoi. Ah, ma partie préférée. Putain de Rocket Wing, là. Bah, c'est pas bien dur pour l'instant. À 11, je devrais m'en sortir, je pense. Si j'avais pas une roquette de merde, c'est encore mieux. Ah, il s'est vautré, le mec derrière moi. Oula, c'était limite. Là, c'est le passage que j'aime pas. Et voilà. Bon, je pense que la suite, ça devrait bien se passer aussi. À 11, franchement. Ça devrait pas être très violent. Allez, c'est parti. La deuxième manche de Mass Race à 11. Mais je m'y accroche à cette première place. Sois-en sûr. Ah oh putain, je fais que des conneries. Je suis toute seule et je fais des conneries, quoi. C'est énorme. Voilà.
Non, 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 non. Mais putain, mais... Voilà, bon, il n'y avait pas beaucoup de challenge sur la Masterclass à 11, mais bon, on s'en fout, l'essentiel c'est d'avoir terminé. Un petit podium au passage, je rafle quelques étoiles aussi, c'est toujours bon à prendre. Du coup, Masterclass sont les Masterclass, voilà, une sur trois, je formerai les autres en off. A few moments later. Je viens de terminer les 3 Mass Race, donc j'ai empoché 3 étoiles et ensuite j'ai fermé d'autres events sur la liste des 30 à faire. Je te laisse regarder sans les commentaires et je te reprends juste après. Du coup, j'ai farmé les 30 events en multi et même parfois en solo aussi. Donc ça m'a débloqué Fast Pass et ça aurait dû me débloquer le défi principal puisque je vois que j'ai 5 défis de valider. Sauf que j'ai remarqué depuis un moment que c'était resté à 0 sur 5. Donc a priori le défi principal avec les 10 étoiles en récompense est bugué pour changer un petit peu. Bon bref, c'est pas très grave. Il me restera plus qu'à terminer le niveau hebdomadaire 4 dans les multi, sachant que je suis plus très loin parce que j'ai pas mal farmé le free for all. Pour ce qui est de la récompense ville en mousse, moi je l'avais déjà donc a priori je pense pas que je l'ai gagné une deuxième fois. Tiens, le vélo en mousse, si tu sais pas à quoi il ressemble, c'est ça. Et du coup, pour en revenir au chat daddy. Et ben voilà, nouveau bug sur le défi principal des 10 étoiles, donc je pense qu'ils patcheront ça d'ici mercredi prochain, du moins j'espère. Parce que j'aimerais quand même bien avoir mes 10 étoiles, vu que j'approche bientôt des 7000, ça pourrait m'aider. Voilà, donc je vais continuer à farmer le niveau hebdo 4 en off, et je te reprendrai après. Comme tu as pu le voir, j'ai atteint le niveau 4, j'ai eu une récompense au passage, et donc tous les défis sont terminés. Le truc pole position du niveau 4, voilà. Les 10 étoiles, ça c'est pas bugué.
Par contre, le défi principal, lui, est toujours buggé, malheureusement. Le vélo en mousse, vu que je l'avais déjà, je l'ai pas eu une deuxième fois, ça aurait été rigolo. Mais bon, c'est comme ça. Donc vraiment pas difficile cette semaine, aucun piège, rien. Du coup, cette vidéo est déjà terminée. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt. Salut !